crème au gingembre magique pour vous débarrasser des cicatrices, des taches de vergetures profondes et même les plus anciennes. Je suis sûre et certaine qu'après avoir regardé cette vidéo, vous aurez une envie folle de partager ceci avec toutes les personnes qui comptent pour vous. Car hier encore, je vous présentais les effets miraculeux du gingembre pour son utilisation interne, mais aussi pour votre peau. Eh bien, ce matin, je viens pour vous parler de quelque chose dont je suis sûre et certaine, ça vous fera grand plaisir et viendra sublimer votre vie. Voici comment fabriquer votre crème au gingembre afin d'enlever toute tache de pigmentation, toute tache brune, toute cicatrice d'acné sur votre visage ou même encore toute trace de vergeture. Cette crème au gingembre est également une crème anti-âge, une crème éclaircissante naturelle, bio et faite maison. Donc voilà, comme toujours, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. C'est un réel plaisir pour moi de parler avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes de passage ou même que vous me regardez pour la première fois, je suis Rose Mouni. Je vous invite à vous abonner sur cette chaîne, cliquez sur la clochette de notification, likez et commentez. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Maintenant, je vous invite à vous asseoir confortablement car ce dont nous allons parler ici va grandement vous intéresser. Pour vous qui avez des problèmes d'hyperpigmentation, de taches sur le visage, d'acné, de peau très sèche et de vergetures rouges ou même blanches ou même noires, aujourd'hui, je vous présente une crème réparatrice au gingembre. Je vous promets, vous ne serez pas déçus par ceci. Bien, pour cette préparation au gingembre, vous aurez simplement besoin du miel frais, comme vous voyez là, de l'huile d'amande douce et du gel d'aloe vera. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi vous avez besoin de ces ingrédients. Comme je vous l'ai déjà dit, le gingembre peut être un excellent exfoliant naturel, un puissant raffermissant, un puissant anti-ride qui combat la cellulite, pousse des cheveux. Bref, le gingembre a conquis les salles de beauté grâce à ses propriétés cosmétiques. Ensuite, le miel. Déjà, si vous regardez très souvent mes vidéos, vous allez voir que je vous parle constamment du miel, que ce soit pour la peau, les cheveux, le corps. Les vertus du miel sont connues et connues depuis la nuit des temps. Durant l'Antiquité, les femmes utilisaient le miel pour rendre leur peau plus belle et aussi elles incluaient ceci dans leurs soins. Ce produit est 100% naturel. Le miel est votre meilleur allié de beauté indispensable. Parmi les vertus les plus reconnues du miel, on a son pouvoir hydratant qui est particulièrement prisé pour tous les types de peau. Le miel fond sur l'épiderme pour l'enrichir, l'hydratant en profondeur. Il maintient le taux d'hydratation de la peau pour prévenir les sécheresses cutanées. Le miel peut être utilisé tant sur le visage, sur le corps, l'entrejambe, les cuisses. Bref, il constitue un soin hydratant sans pareil. Ensuite, pourquoi est-ce que je vous ai parlé de l'huile d'amande douce? Tout simplement parce que cette huile hydrate et protège la peau. Comme les cheveux, ceci apaise les peaux, leur redonne vigueur et éclat. Ceci va soulager les irritations, la pigmentation, les démangeaisons. Cette huile est très nourrissante et parfaite contre les vergetures, les peaux desséchées, les vergetures même les plus anciennes, les plus profondes, les plus marquées, les rouges, les noires ou même encore les blanches. Et ceci aussi peut être utilisé en prévention de vergetures. Par exemple, si vous êtes enceinte et que vous avez peur d'avoir des vergetures ou même si vous avez pris beaucoup de poids, vous avez perdu beaucoup de poids, et ben je vous invite à utiliser ceci. Et enfin, ne parlons même pas du gel d'aloe vera. L'aloe vera est une véritable bombe médicinale, autant pour la peau que pour le corps. Je vous ai longuement parlé de cette plante dans les vidéos précédentes que j'ai mises en ligne la semaine passée. On reviendra là-dessus, bien sûr. Mais avant toute chose, si jusqu'ici vous aimez le contenu, vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à partager, mes amours. Partagez, partagez, partagez. Pensez aussi à me dire de là où vous me suivez, de là où vous m'accompagnez, de là où vous me soutenez. Vous savez à quel point cela me fait plaisir de savoir que vous êtes là. C'est pour ça que j'attends vos petits mots dans les commentaires. Comme je disais, l'aloe vera est une véritable bombe médicinale, autant pour la peau que pour le corps. Je vous en ai longuement parlé dans mes vidéos précédentes que j'ai mises en ligne. La préparation est très simple. Une fois que vous avez épluché et écrasé votre gingembre, vous avez extrait le précieux nectar de cette façon, je vous invite à prendre une cuillère que vous allez mettre dans un bol. Ensuite, nous allons simplement ajouter du miel, puis remuer le tout un petit peu. Ensuite, nous allons ajouter notre cuillère d'huile d'amande. Et enfin, nous allons mélanger le tout et ajouter 2 cuillères de gel d'aloe vera. Ensuite, je vous inviterai par la suite à très bien mélanger tout ça. Une fois que c'est bon, vous obtiendrez une crème comme celle-ci. La consistance de cette crème doit être moyenne, mielleuse et crémeuse.
Comme ça, mes amours, vous pourrez facilement faire pénétrer le tout dans la peau. Et bien sûr, je vous invite à mettre ceci dans un récipient hermétique avec un bon petit couvercle. Et vous pouvez conserver le tout au réfrigérateur pendant 15 à 20 jours. Cette crème au gingembre est une solution naturelle maison à utiliser pour tous vos problèmes de peau. Ceci contient des ingrédients qui fonctionnent à merveille sur votre peau. Ceci va en même temps rendre votre peau ferme, tonique, la clarifier. Ça va être simplement sans défaut. Elle sera brillante, radieuse. Le gingembre contient environ 40 composés antioxydants qui protègent et luttent contre le vieillissement de la peau, améliore l'apparence de votre peau en enlevant les toxines, en stimulant la circulation, entraînant ainsi la livraison de plus de nutriments vers la peau. Les antioxydants qu'elle contient empêchent les dommages des radicaux libres et préservent ainsi la peau. Cette crème améliore l'élasticité et rend votre peau plus jeune et plus ferme. De cette façon, ceci va ralentir les signes de vieillissement. C'est un antiseptique puissant, un agent nettoyant, car le gingembre aide à garder la peau propre sans taches. C'est aussi l'un des meilleurs ingrédients naturels qui lutte contre l'acné, car ceci efface les taches d'acné, car ça permet d'éradiquer les taches de pigmentation, de surpigmentation et même d'hyperpigmentation, ainsi que les taches sombres ou même les taches noires. Maintenant, vous allez me demander, Rose, comment utiliser cette crème au gingembre? Ceci est très simple à faire. Massez tout doucement cette crème sur le visage, le cou en mouvement circulaire pendant environ 30 à 45 secondes afin que la peau absorbe le produit et aussi pour avoir de meilleurs résultats. Utilisez ceci deux fois par jour, une fois le matin et une deuxième fois le soir avant d'aller dormir. À partir du 7e jour, vous allez commencer à avoir de très très bons résultats. Donc voilà mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette nouvelle vidéo extraordinaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Alors je vous dis un maximum de likes, un maximum de pouces en l'air. Pensez à vous abonner et bien sûr si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ceci autour de vous pour que ça touche un maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.